Bonjour, bienvenue dans une nouvelle chronique. Nous allons parler de notre superbe région. Donc, cette chronique concerne le Front local et régional. Les républicains espagnols à Rivesaltes. D'un camp à l'autre, leurs enfants témoignent. Ce sont 12 témoignages poignants découlant de 5 femmes et de 7 hommes nés entre 1925 et 1939, évoquant cet univers d'enfermement et d'arbitraire. Longtemps passé sous silence, cet enfermement de famille entière ressurgit ici dans les mémoires et dans l'histoire. Camp de Rivesaltes, lieu de souffrance. Le temps est passé, que reste-t-il de ces jours terribles? Ce travail engagé par Flore tente de laisser une trace sensible des événements passés dans ce camp souvent oublié de l'histoire. La photographe s'est refusée à faire de l'esthétique sur les lieux de crime. Pourtant, ces photos sont exceptionnelles. Couleur, coulure. Cet album contenant des écrits, des photographies, des tableaux, des dessins est clairement destiné aux flâneurs. C'est un cheminement présentant 1000 facettes de coulure qui ont su communiquer la beauté et la force d'un paysage envoûtant. Explorer la région Languedoc-Roussillon. Il présente les sites remarquables à Carcassonne, à Nîmes ou à Collioure. Des gros plans sur des monuments comme le pont du Gard ou l'abbaye de Fontfroide et des itinéraires de promenade dans la nature. Vous trouverez des conseils pratiques en fin d'ouvrage. Pyrénées, randonnée insolite. Cet ouvrage nous rappelle que les montagnes des Pyrénées possèdent une personnalité unique. Voici d'utiles conseils pratiques et la description précise des itinéraires. Des randonnées sous la forme de récits s'adressent aux débutants ou aux montagnards confirmés. Balades hivernales à pied ou en raquette. 25 itinéraires classés en 3 niveaux de difficulté pour parcourir les Pyrénées-Orientales à pied ou en raquette durant l'hiver. Pour chacune, la description du parcours est accompagnée d'un plan et d'informations pratiques. Les sentiers d'Émilie en Andorre. 25 promenades pour tous. La principauté pyrénéenne propose aux promeneurs de magnifiques parcours. 25 itinéraires de randonnée accessibles à tous les âges pour découvrir la principauté d'Andorre à travers ses parcs naturels et ses lacs glaciaires. De gare en gare dans les Pyrénées, 12 randos écolos tout au long du massif. Une philosophie pour randonner grâce au train. L'auteur décrit 12 cheminements originaux dans les Pyrénées, d'un à plusieurs jours effectués à pied, à vélo ou à ski dans les Pyrénées françaises, utilisant le train pour rejoindre l'étape suivante. L'Occitanie, voyage à vélo et vélo électrique. Voilà un guide complet avec près de 1800 km de parcours en Occitanie à faire à vélo ou vélo électrique, en retraçant les plages de la Méditerranée aux pentes des Pyrénées en passant par le pays Qatar ou la côte Vermeille. Nos coups de cœur en Occitanie. Plus qu'un guide, cet album haut en couleur propose de découvrir l'Occitanie. Vous trouverez dans ce best-of incontournable, illustré de nombreuses photos, le meilleur d'une région jeune, festive et authentique. La Catalogne vue du ciel par Yann Arthus-Bertrand. Avec sa magie et sa poésie habituelle, Yann Arthus-Bertrand montre dans ce recueil regroupant 150 photographies vues du ciel, explorant la diversité des paysages. Des images montrant des contrastes culturels, architecturaux et religieux inspirants de la Catalogne. Observez les oiseaux des Pyrénées. Les Pyrénées ont enfin leur guide d'observation. Avec la présentation de plus de 250 espèces traitées et 41 itinéraires, cet ouvrage est le compagnon de voyage idéal pour découvrir les oiseaux des Pyrénées françaises. Ce guide pratique est complet et utilisable tout au long de l'année, y compris en hiver. Les yeux dans les cieux. Ce livre retrace l'histoire et les mœurs des oiseaux qui hantent les Pyrénées, ainsi que les persécutions subies par les charognards de vocation, comme le vautour fauve, ou occasionnels, comme l'aigle royal. Ce sont les nettoyeurs ou purificateurs des Pyrénées. Et voici leur histoire. Histoire d'eau, une sélection de contes, de légendes et de récits sur le thème de l'eau
recueillis dans la région des Pyrénées catalanes, qui mettent en scène les pêcheurs, les créatures des étangs, les villages engloutis ou les fontaines sacrées. Je finis le tour de la région avec Itinéraire, l'Occitanie gourmande. Le chef Fabrice Mignot regroupe les recettes dont il parle dans sa web-série pour les traditions culinaires et nous propose, à travers la région Occitanie, sanglier en croûte de malt, sushi de canard, éclair tatin et coriandre. Voilà de quoi se régaler. Cette chronique est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt.